Lancé en 2022, le plan Canopée de Grenoble-Alpes Métropole a pour but de permettre aux zones urbaines de 49 communes du territoire de s'adapter au changement climatique par la conduction de projets de déminéralisation et de plantation d'arbres. Mardi 23 janvier 2024, Monsieur le maire David Kairos et son adjoint Christophe Bresson, en présence de la vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole, Cyril Plenet, accompagnaient le début des plantations sur la commune de Saint-Martin-d'Hères avec la plantation de 20 arbres sur le Merlon Saint-Just. Ces projets ont pour objectif d'augmenter la surface ombragée fournie par les feuillages, établie à 26% aujourd'hui, à 30% d'ici 2030 et 40% en 2050. Plusieurs projets métropolitains sont inscrits dans la feuille de route martinéroise 2024-2025 qui s'ajoute au travail des équipes de la ville pour le renouvellement et la plantation d'arbres sur l'espace public. Ainsi, une cinquantaine d'arbres ont été plantés début février par les services municipaux dans le parc de la rue Clément-Bon au sein de l'écoquartier d'Audet, le long de la voie ferrée. Cela a notamment permis de remplacer certains arbres qui seront réutilisés sous forme de mobilier urbain. De nombreux arbres, de toutes tailles, d'essences différentes, adaptés à la vie urbaine et à des climats plutôt chauds et secs, vont continuer à être plantés dans la commune dans les décennies à venir. Cela permettra de favoriser la biodiversité, d'améliorer la qualité de l'air, réduire le stress de la vie urbaine et enfin lutter contre les îlots de chaleur.